Alors c'est une mission qui est liée à une autre mission que j'avais déjà reçue, qui est celle de faire partie du Conseil permanent des évêques. Et donc il a été choisi de renouveler la manière de mettre en œuvre tout ce qui concerne le porte-parole dans l'Église, c'est-à-dire ceux qui vont prendre la parole au nom de l'Église sur tel ou tel sujet dans les différents médias. Donc actuellement il y avait un porte-parole, et donc il a été fait le choix d'avoir un petit groupe qui porte cette mission de porte-parole, dont je fais partie. Nous serons quatre, deux membres qui sont des secrétaires généraux adjoints de la conférence. Donc c'est Diane Pilota et Sophie Dogerias qui font partie du conseil permanent aussi au nom de cette mission. Et deux évêques, l'évêque de Limoges, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, et moi-même. Alors c'est toujours en lien avec le service de communication de la CEF, hein, donc de l'avenue de Breteuil. Et donc en fonction des demandes, en fonction de ce qui semble judicieux, aussi en fonction des disponibilités de calendrier et de présence sur Paris, ce sera l'un ou l'autre qui sera sollicité pour répondre à une interview, un plateau, un lieu d'échange, de communication. Alors c'est certainement une mission délicate, je dirais même très délicate, mais il y aura la communication officielle qui sera toujours portée par le président de la Conférence des évêques de France et ses deux vice-présidents. Donc nous, on se situera d'une manière un petit peu plus décalée par rapport à cette parole officielle. Mais c'est sûr que c'est un vrai défi de prendre la parole dans des moments qui sont parfois des moments de tempête. Mais c'est aussi des moments où on voit de très belles initiatives, des lieux qui sont des lieux d'espérance, des lieux de vitalité. Et j'espère qu'il me sera donné de faire apparaître ce visage beau, vivant, qui est le réel de l'Église dans plein de lieux en France.